La course de côte est un style de sport automobile à part entière qui mérite un peu plus d'attention, très populaire en France et encore en Belgique, eh bien il faudrait en parler un peu plus. C'est ici une voiture que l'on retrouve dans un championnat allemand que l'on va tester aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Track Day. Nous sommes sur la mythique montée de Trendom-Brompton, comme on peut le lire sur la vidéo. Circuit de base d'Assetto Corsa pour tester cette belle cadette en version S2. Alors c'est un mode que vous téléchargerez avec trois versions de cette légendaire Opel, la version route, la version GTE, la version un peu plus boostée donc, et enfin cette version-ci qui est tout simplement un monstre de puissance. C'est 750 chevaux qui vous attendent pour un poids de 785 kg, donc un rapport poids puissance quasiment de 1. Une vitesse de pointe de 220 km/h, même ici, malheureusement, on n'aura pas trop la possibilité d'exploiter la puissance de ce bolide qui pourrait également être testé sur la Nordschleife, vraiment typé VLN, hein, ce genre de préparation. En tout cas, une voiture plutôt bien réalisée au niveau des caméras, assez complète. Au niveau du son aussi, c'est joli, le retour de flamme, vous allez le voir, donne quelques petits frissons et le son est juste démentiel. Vous pouvez retrouver cette voiture gratuite en téléchargement. En mode pour Assetto Corsa, bien entendu, dans la description. D'ici là, je vous laisse profiter de cette montée, de ces quelques plans, et la tradition, vous la connaissez, montez le son.